Je suis né ici à la vallée du Joux, donc il y a déjà bien longtemps. J'ai fait mes écoles ici. J'étais pas un foudre de guerre à l'école. Si bien qu'à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont dit « Tu peux sortir de l'école obligatoire, il faut choisir un métier. » Et je devais choisir dans le cadre de la vallée du Joux, quoi, ce qui donnait pas d'énormes possibilités. Il y avait un bûcheron, j'étais pas très costaud à l'époque. J'aimais bien la paysannerie, mais on n'avait pas de ferme, donc c'était râpé. Et puis je bricolais après une moto, une vieille moto, et puis je me suis dit, je vais apprendre la mécanique. Je vais pour les examens, et puis le résultat, on me dit, ouais, travail des mains, de la tête, ça va, mais les mathématiques, c'est pas très bon. Et puis on me dit, bon, ben ouais, horloger, quoi. Un petit peu voie de garage, juste pour dire que je n'ai pas choisi mon métier. Chaque matin, quand j'arrive, quand j'ouvre la porte de l'atelier, j'arrive là, je suis content, j'allume une pipe, je suis heureux, un petit café, puis je suis bien, quoi. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose de nouveau, il y a... Un de mes rêves, ça serait d'avoir pas de contraintes, pouvoir être là sans être obligé de gagner sa vie, hein. Et puis pouvoir m'éclater, comme on dit. Puis me dire, tiens, je vais réaliser cette montre-là, ça va prendre 6-8 mois, une année, mais vraiment se faire plaisir. Personne n'a besoin d'une montre aujourd'hui. On a l'heure partout. Donc, si on s'achète une montre, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un plus. Chaque montre est une œuvre, si on veut bien. Parce qu'on y met beaucoup de soi-même. On a de la technologie, bien sûr, mais disons, la touche humaine est importante, comme une œuvre d'art, comme un tableau, par exemple, la même chose. À l'heure actuelle, je travaille sur un mouvement de grande cendrier. C'était ma première montre, si on veut bien, que j'ai faite, qui est ici, en format de poche. Ça, c'était mon premier challenge. À l'époque, je n'ai pas pu aller plus loin, dans le sens que le mouvement, il est fait, il est fonctionnel, il n'est pas décoré. Et puis, il n'y a pas de boîte. Hein. J'ai mis un cercle en laiton, avec deux glaces de chaque côté, parce que je n'avais pas les moyens d'investir dans une boîte en or. C'était à l'époque 15 ou 20 000 francs, je ne pouvais pas. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire un essai sur des montres-bracelets. Et je me suis dit, je veux faire quelque chose qui n'existe encore pas. Donc c'est la grande sonnerie répète 5 minutes qui n'existait pas. J'ai lancé ça en 92. Voilà. En 20 ans, j'ai réalisé 3 modèles de montres différents. Les modèles, j'en ai pas en stock, en réalité. Vous avez de la chance parce que aujourd'hui vous avez cette montre-là, la grande sonnerie numéro 3, qui avait ici pour une révision. Alors, c'est la numéro 3 en or rose, avec un système, un fond en charnière qui permet de découvrir le mouvement. Et par pression sur la couronne, donc ça c'est le premier modèle. Après, en 96, j'ai sorti un modèle qui malheureusement j'en ai point. Modèle, je vais en faire 25 et puis j'en ai vendu 9 et puis je me suis arrêté. Mais je peux vous montrer les photos ici. C'est une montre à double régulateur. Donc on a deux cœurs. Hein. Et puis ces deux cœurs, ils travaillent ensemble grâce à un système différentiel et ils se compensent mutuellement.
C'est comme si on avait un être humain avec deux corps. Pour milieu, il y a un système de balance qui régularise le tout. On pourrait courir plus vite, on préfère un tas de choses plus vite, peut-être aimer deux fois plus, je sais pas. Enfin, voilà, c'est ça l'idée de la dualité. Et puis ensuite, il y a eu le modèle qui est sorti en 2000, c'est le modèle simplicité. Pourquoi simplicité? Parce qu'elle est simple. On la remonte tous les jours, elle a trois aiguilles. Au départ, je voulais faire 100 montres. Les 100 montres ont été rapidement commandées. Et puis après, les gens se plaignaient, il n'y en a plus. J'ai dit, allez, on refait une centaine derrière. Donc au total, 200. Et sur 200, il y en a 120 qui sont au Japon. Et j'ai pu finir, en fin d'année passée, j'ai fini la 200e. Il m'a fallu 12 ans pour faire 200 montres, ce qui est énorme. Mais j'y suis arrivé. L'atelier, il est situé dans l'ancienne école du village. C'est un endroit qui est plein d'histoires. J'entends, par exemple, mes trois filles sont venues à l'école ici. J'ai mon arbre devant moi là, qui nous montre les saisons. C'est vrai, quand on travaille, on est concentré avec ses yeux. Puis à un certain moment, c'est agréable de pouvoir lever les yeux et avoir une belle vue en face de soi. Un endroit agréable, vraiment. Les visiteurs, quand ils arrivent là, ils sont un peu surpris au départ. Parce qu'ils n'ont pas... Quand on parle horlogerie, maintenant, c'est un atelier aseptisé. Voilà. Ici, c'est un petit peu différent. Ça sent la vieille huile, un peu la pipe. J'ai beaucoup appris en restaurant les montres d'époque 1800-1920. Et c'est ça qui était un petit peu le déclencheur. Je me suis dit, mais les anciens, alors, ils l'ont fait avec des moyens tout autres qu'on a maintenant. Je me suis dit, allez, on refait ça. C'est des machines qui ne se fabriquent plus, qu'on trouvait dans les entreprises, qui ont disparu. Toutes ces machines, elles n'ont pas de mode d'emploi. Et ceux qui savaient, ils sont au cimetière. Donc, pour chaque machine, il a fallu réinventer la façon de l'utiliser. Et quand on a découvert le bon procédé, alors là, on est content, quoi. Chaque élément, on y met un plus. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, on travaille avec une machine, mais après, on y met un plus, que ce soit dans les terminaisons, dans les polissages, qui soit beau sous tous ses angles, si on veut bien. Hein? Même une partie qui se trouve dessous, elle sera décorée aussi. Hein? On pense à celui qui va réparer la montre dans quelques années, par exemple. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de compromis. Si je fais un bilan de ma vie professionnelle aujourd'hui, il y a du très positif. C'est commercialement, je refuse des montres toutes les semaines. Les gens se plaignent qu'il n'y en a point. Et puis, le négatif, c'est que depuis des années, j'essaie de monter une équipe et puis j'ai échoué. On était dans l'atelier jusqu'à 5 personnes. Chaque établi était occupé.
Et ça, bon, c'est peut-être dû à mon caractère, à mes exigences, mais j'ai fixé peut-être la barre assez haute. C'est aussi pour ça que mes produits sont reconnus. Et on n'a pas droit à être en dessous. On n'a pas droit à l'erreur. Les jeunes que j'ai eus perdent vite la motivation. Ils n'arrivent pas à s'auto-contrôler. Et, ouais, c'est une déception. Ouais. Que représente Philippe Dufour pour moi, un homme qui a su garder une ligne, d'avoir une rigueur dans son travail, dans la qualité qu'il produit tous les jours. Et voilà, je crois que c'est vraiment, on va dire, une école de vie reliée à la passion. Et pour moi, ça c'est effectivement une référence extraordinaire. Oui. Salut Romain. Ça va bien. Et toi? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ouais. T'as 2 minutes? Je te demande quelques petites modifications. Pas de problème. Ça marche. Différentes petites modifications que je voulais te montrer. Oui. T'en souviens, là, cette denture sur l'extérieur, dent de loup, il faut qu'on la trempe. Oui. J'ose pas trop l'envoyer en industriel, parce qu'à mon sens, elle va voiler. J'aimerais bien qu'on essaye, comme toi tu fais, pour voir si déjà nous on a des déformations ou pas. Et puis si je peux la donner, on va dire, à l'extérieur. Ben, j'ai jamais trempé de l'acier inox, hein. Mais... On peut faire un essai. Déjà rien que tu sais, monter en température. Ouais. Avec une référence comme Philippe, c'est vrai que les choses ne sont pas forcément simples, hein, parce que vous vous comparez tout de suite avec... voilà. Donc, même les grandes entreprises l'ont aussi, je pense, pour beaucoup de produits, beaucoup de visions comme référence. Ben, ça commence par l'humilité. Ça commence par le fait de dire, voilà, notre quête, on essaye effectivement de faire des choses comparables à Philippe. Et d'avoir une humilité. Et effectivement, l'horlogerie, pour moi, c'est chaque chose en son temps. Les lettres de noblesse, elles ne s'obtiennent pas comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire ou autre. C'est extrêmement enrichissant. Alors, un 20. Un 20 ici, et puis il faut remplir. On est là, c'est juste, OK? Non. Donc, clique droit sur ta surface. Ouais, ici. Après, tu peux faire... Attends, faut faire contrôle si tu veux les autres. Les premières grandes centrées, j'avais pas de plan. J'avais 2-3 croquis, et voilà. Quand j'allais me coucher, si je fermais les yeux, j'arrivais à me voir dans la mécanique. C'est-à-dire que il y avait plusieurs étages, bien sûr, puis j'arrivais à me mettre au niveau de à tel étage. Je savais qu'en dessous de moi, il y avait un râteau qui passait, puis qu'il fallait tant de... J'arrivais à presque à voir les espaces nécessaires, quoi. Ça. Maintenant, on arrive à le faire avec l'ordinateur. Moi, j'aime bien toucher les choses, sentir les choses. Si je fais une mesure avec un appareil au micron aujourd'hui, maintenant, ça va me faire, je sais pas, 2 microns, puis cet après-midi, ça fera 3. Ça dépend de la température, beaucoup de choses. Puis cet ordinateur, là, j'avais une platine avec 150 trous. J'ai demandé la position de XY, hein, puisqu'on travaille en coordonnées cartésiennes. XY de chaque trou, il me donnait 8 chiffres après la virgule. Mais je dis, c'est incroyable. Le troisième chiffre, ça me suffit. Et puis, j'ai imprimé les résultats, puis je leur demandais le lendemain, puis ils m'ont donné exactement la même chose. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai quelque chose qui... Donc, il a fallu que je fasse la première platine avec des informations données par l'ordinateur pour dire, effectivement, c'est précis. Les informations qui sont dans cette boîte plastique, c'est juste, quoi. Donc là, il nous redemande encore. Généralement, c'est assez simple, tu dis toujours oui. Voilà.
suis en train d'ongler un pont. Donc j'ai ma lime qui reste toujours dans le même axe, si on veut bien. Et puis je joue avec ma main gauche pour faire bouger la pièce de façon à avoir le bon bevel voulu. Bien sûr, je connais une grande entreprise qui ont décidé d'avoir dans certains produits des ongles faits main. Hein, et d'une usine de, je sais pas, quelques centaines de personnes. Il n'y avait plus personne capable de faire un ongle à la main. Ils ont dégagé un retraité d'une autre entreprise pour former. Donc, petit à petit, on perd ce savoir. Et mon rôle, et le rôle d'autres collègues horlogers, c'est d'essayer de ralentir ce phénomène. Je ne pense pas qu'on puisse le stopper, mais de le ralentir. Donc là, on a la surface qui est polie, qui est brillante, mais c'est encore pas suffisant. Là, je vais prendre un petit peu de diamantine sur un buis pour arriver à lisser la surface. Quand ça couine comme ça, c'est bon signe. C'est que ça, la diamantine, elle mord bien. Puis je nettoie ici avec de la moelle de sureau. Voilà, comme ça on a un angle. Et on peut encore, si on veut améliorer encore un petit peu le poli, on peut finir avec du bois de gentiane. Le bois de gentiane, pourquoi? Il est assez rigide. Puis à l'intérieur du tube, la gentiane, si vous voulez, il y a de la moelle très très douce. Qui nous sert de support justement pour la diamantine. Et on arrive vraiment à avoir des surfaces de poli assez super. Alors ici, on a une manga japonaise faite par le gouvernement japonais qui est destinée à tous les élèves des écoles du Japon qui explique le fonctionnement, enfin l'horlogerie et surtout le fonctionnement des montres, des différentes montres. On a une explication de la montre mécanique traditionnelle et en contrepartie, on a l'explication d'une montre à quartz. Et à la fin de l'ouvrage, il y a un chapitre sur l'horloger de la vallée. Voilà. C'est censé être moi. Avec la localisation géographique, quart de la Suisse, la fondue incontournable. Ici, on a le dessin de la simplicité, par exemple. Baselworld. Donc, il y a toute une histoire à mon sujet. Il faut que ça fasse traduire. Il a fallu presque 20 ans pour que maintenant les gens comprennent et reconnaissent la différence. Mes clients sont des gens qui ont compris ma philosophie, bien sûr, et qui sont prêts à attendre 5-6 ans pour avoir une montre, parce que c'est ça qu'ils veulent, ils ne trouvent pas la même chose ailleurs. Si je prends par exemple la majeure partie de mes montres qui sont au Japon, pour le client japonais, c'est important, c'est même énorme pour eux d'avoir pu voir la personne, toucher la personne, faire la photo avec lui. Et puis de se dire, mais ce type-là, dans 2 ans, bon, fin fond de la Suisse, il va faire ma montre, pour moi. Ça, c'est assez extraordinaire. Parce qu'ils sont noyés dans la masse, ils sont anonymes. Mais à travers un produit, ben, ils existent. J'habite Chartres, en Eure-et-Loir. Je suis normalement professeur d'horlogerie à l'école de Paris.
Là, pendant environ 3 ans, j'ai pris un congé pour pouvoir participer au projet Naissance d'une montre. C'est un projet qui a été lancé à l'époque par Philippe Dufour, Robert Grebel et Steven Forcé. Il y a eu un constat comme quoi les techniques anciennes commençaient à se perdre. Et pour bien qu'on soit quelque part, je dirais, cohérent, c'est qu'on fabrique vraiment une montre complète de A à Z pour que la personne qui va garder à un moment donné le document technique puisse dire « si j'applique ce qui est demandé, je serai capable de reproduire l'objet qu'on a décidé de faire ». Alors, on a déjà un peu commencé, Philippe. Oui, c'est bien fait. Sans toi, mais ce dont on discutait, c'est déjà un peu de catégoriser les finitions. On est toute une équipe, je suis pas seul, hein, heureusement, parce que sinon ça serait pas jouable. Et puis chacun apporte sa connaissance, et puis moi après j'essaye de récupérer toutes ces informations, de les comprendre, et puis après de les mettre en application pour fabriquer cette montre. Philippe Dufour, pour moi, c'est un horloger qui veut transmettre, ce qui est quand même important, et qui n'a pas de retenue. Il ne veut rien cacher, il a dit qu'il n'y a pas de secret. Ça, c'est déjà hyper important. Ah, ça va être là. Voilà, ici, on a tout ce qu'il nous faut. On a des grosses roues de sang, tu verras. Ah oui, ça oui, ça va bien. Il y a eu une époque où, en horlogerie, il y avait des secrets, on gardait tout pour soi. Hein, y a des gens qui sont partis à la retraite avec leur savoir, ils sont morts avec leur savoir. Et c'est pas mon cas. J'ai envie de transmettre pendant que je peux encore, quoi. Je dis toujours, on n'est pas sur Terre par hasard. Moi, je pense que je suis là, et puis j'ai une mission. J'ai un devoir moral vis-à-vis de ceux qui m'ont enseigné déjà, de le transmettre à d'autres. Je trouve normal. Ah oui. J'ai des fois un peu de stress au travail, j'ai cassé une pièce, j'ai envie de tout envoyer péter, comme on dit, je pars en forêt. Et puis là, je me ressource, je me calme, et puis c'est reparti, quoi. Combien ils sont vraiment attachés à l'heure, quoi. Je crois qu'on dit toujours chaque combien un petit sapin dans son cœur. Je crois que c'est assez vrai. Va trop vite. Il va me manquer, inévitablement, parce que j'ai tant de choses en tête, j'aimerais faire encore tellement de choses que j'ai dit c'est peut-être pour ma vie future. Je dis toujours je suis peut-être comme les chats, j'ai 7 vies, puis j'espère que c'est ma première, parce qu'il y a encore des belles choses à faire. Et peut-être que j'arriverai à trouver une solution pour, disons, mettre en valeur ce que j'ai créé. Voilà. Pour qu'il y ait une continuité. Pas qu'un jour, je ferme l'atelier pour la dernière fois. Voilà, ça serait dommage. J'aimerais bien qu'il y ait une suite. Et c'est pas facile à organiser, mais je dois m'y atteler, comme on dit.